Salut à tous, c'est un nouveau jour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai acheté une barrette comme ça chez Normal. Pardon, c'est encore lui. Il est là, ouais. Alors aujourd'hui, je me suis attachée les cheveux comme ça, ça abîme moins qu'un élastique. Donc là, je vais vous montrer, je suis revenue des courses. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je compte faire une lasagne aujourd'hui. Ouais, je compte faire une lasagne aujourd'hui. Alors, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de petites choses pour la semaine. Ah oui, je vous avais dit aussi qu'il fallait que je mette les lumières au niveau de la cuisine. Je compte le faire aussi. Alors d'abord, je vais vous montrer. Là, je sais pas si ça vous gêne ça. Je vais mettre ça comme ça, non? Attends. Donc j'ai pris une lingette pour désinfecter. Je vais désinfecter les articles que j'ai achetés. Donc j'ai acheté donc de la purée. Donc tout est pour la semaine. Donc la marque Auchan, tout simplement. Hop, j'ai acheté les yaourts habituels. Donc Blédina. Non, Nestlé, pardon. Donc abricot mangue et fraise framboise. Comme ça, je vais ranger en même temps, comme ça c'est plus simple. Donc j'ouvre directement quand c'est les yaourts, ça prend moins de place. Enfin, c'est pas que ça prend moins de place, mais c'est plus pratique ensuite que de retirer l'emballage, c'est énervant. Donc je range ça dans son placard à yaourt, son placard tout simplement. Voilà, je fais les emballages sur le côté pour pouvoir les jeter ensuite. J'ai acheté des spaghettis, comme j'aime ça. Je mange mes pâtes préférées, c'est les spaghettis. Et là, il était en grand format. Donc c'est 1 kg de spaghettis parmesani. Il était presque en rupture. Il n'y en a presque plus. Je sais pas si les personnes ont fait le stock parce qu'il va plus. Enfin, ça va augmenter. Ils vont augmenter les prix des pâtes. Ensuite, j'ai acheté un collant parce que j'ai remarqué que j'avais une robe. Je sais pas si vous avez vu, mais je mets jamais de robe. Et j'ai vu que j'avais une robe, que j'ai trouvé une robe avec. Robe col roulé en fait pour l'hiver, et du coup je me suis dit il faut que j'achète un collant parce que j'aime pas porter une robe sans collant. Donc c'est semi opaque et résistant, donc je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense. Il m'a coûté 5 euros, donc ça va. On a acheté des pois chiches marque Auchan, des raviolis, donc c'est un lot de 2 qui a coûté 4 euros, donc c'est panzani. Du tropico, vous savez très bien maintenant que je bois pas du tout de jus, mais c'est juste au cas où si la famille vient à la maison, bah au moins il y a de quoi boire quand même, parce que comme je bois pas de café, je bois rien du tout, je bois que de l'eau. Au moins, si quelqu'un veut un petit jus, bah, y a de quoi. Il faut vraiment que je fasse en sorte d'avoir des choses pour pouvoir accueillir des personnes, des invités, parce que j'ai rien du tout sinon. Je vous disais, j'ai également acheté maquereau de filet grillé nature, également du thon à la sauce tomate. Ici, maquereau au vin blanc. Au vin blanc. Quoi, il y a marqué vin blanc, tu veux que je te dise quoi? Hein? Thon à la sauce tomate. J'ai pas trompé, je bois. Il y a quoi?
Chili con carne. Marc Auchan, je mange pas du tout ça. Je sais pas qui mange ça, mais c'est pas moi. Maman, c'est toi? C'est à ma mère. Voilà, ma mère, elle aime bien manger ça. J'ai jamais goûté en fait, donc je peux pas dire que j'aime pas. J'ai jamais goûté. Donc j'ai acheté du pain, je vais vous montrer comment est le pain. Je pense que vous savez comment ça, à quoi ça ressemble. Je compte faire du coup une lasagne. Donc sauce béchamel Marc Auchan. Donc j'ai acheté ça, je vais le mettre à proximité parce qu'il va falloir que je l'utilise. Donc de la sauce tomate, j'en ai acheté un grand et un petit. De la marque Heinz. Donc coulée de tomates. Bon, ma lingette, elle est devenue sèche. Il va falloir que je le change, la change. Hop. Lait de coco, je compte faire aussi des repas. Je vous en ferai comme ça vous donne envie si ça vous tente de faire les mêmes recettes que moi. Donc là, j'ai acheté des Collezione Barilla. J'aime trop ces pâtes-là. En fait, quand la pâte elle est faite avec cette marque-là, j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai acheté ça. Je vais mettre loin pour que vous puissiez voir la suite. Donc, encore les autres pâtes à 3, à 1 kg. Donc, pour lasagne, donc emmental râpé fondant. Ouais. À proximité. J'en ai acheté deux briques de lait de coco. Donc j'ai remarqué que les couches là commencent à être un peu petites. Donc j'ai acheté une taille un peu plus grande. Donc voilà, c'est taille 4. J'en ai acheté deux. Voilà. Je suis allée chez Normal et chez Normal j'ai acheté donc ma barrette que je vous ai montrée. Et j'ai également acheté Airwick, celui-ci. Je vous avais dit celui que j'aimais trop. Je trouve plus là, je le trouve plus. Je le trouve plus à Auchan. Je le trouve nulle part. J'espère que c'est celui-là qu'il a juste changé de format. Maman, laisse-le, laisse-le. J'espère qu'il a juste changé de format. Donc j'ai hâte de tester, de sentir. Je vous dirai si c'est la même chose ou non. Mais en tout cas, celui que je vous avais montré l'autre fois, il est vraiment top. Vraiment, ils sont tellement bon. Enfin bref, là je vais tout ranger et ensuite je vais passer à la réalisation de ma lasagne. À tout à l'heure. Alors pour l'instant je mets le steak haché et les oignons et ensuite je vais rajouter du coup poivre, sel. À tout à l'heure. Voilà, donc là ça cuit bien et là je vais rajouter ça cuit bien. Je vais rajouter maintenant le coulis de tomates. Et je mélange. Ok, du coup c'est bon. Mon steak haché est bien cuit. Donc je vais commencer par mettre le steak haché dans le plat. Donc je l'étale comme ça. J'en mets un peu partout.
Mon gratin est prêt. Je vais le retirer, vous allez voir le résultat. Voilà le gratin, le résultat de mon petit gratin. Bon appétit!